avec le centre d'observation, ben là, ah, j'ai une main qui fait ceci. Si je peux faire une machine, je peux faire pareil. Ça va m'aider à pouvoir faire les routes. Ça va m'aider à pouvoir découper les arbres. Ou bien, hein, vous comprenez, non? Maintenant, quand vous voyez ça là, comme on a vu tout à l'heure, ça là, c'est ça. Ou bien, selon vous, comment on a fait? Comment on a fait pour quitter de ça là sur l'ordinateur à ça? Il y a une idée. On a fabriqué ça. Comment on a fabriqué ça? Tu as une idée? On a pour faire ça. Il faut toucher ça là. C'est quelle matière? Qui sait? C'est du sable? C'est du caillou? C'est quelle matière? D'accord. Matière plastique. Il faut parler fort. Matière plastique. Regardez, vos deux mains, la main gauche, d'accord, pour sélectionner, on sélectionne avec le bouton gauche, d'accord, on maintient, on glisse la souris avec la main droite et on va poser ça dans la quatrième fenêtre. Maintiens, quand vous maintenez le sous-bloc se soulève comme ça, vas-y, c'est bon, super. Donc, ça c'est la grosse caisse. Celle-là, c'est la caisse claire. Et maintenant, ça s'appelle Toudou. Toudou. Donc, le premier, c'est le tome 1. Tome 1, et ça, c'est le tome 1. Tome 2. Maintenant, ce qui fait, ce qu'on fait, boum. Ça s'appelle le Charleston. Charleston. Avec la hague de David. C'est quel type de chemin? C'est un instrument à colle, un bas ou R. On a A. Ok. Maintenant, la flûte. Donc, la flûte, c'est toute à quelle famille d'instruments? À partir de quelle famille d'instruments? Un instrument avant, un bambouri. Un instrument avant. On a un flûte. Donc ça fait P. Ouais. Et puis voilà. 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 Et Voilà. Les deux, en même poids, bien.
volume de ce caillou par rapport au volume de ça. Qu'est-ce qui est plus grand? Le caillou. Lorsque le volume est très important, la poussée aussi devient très grande. Parce que le volume est très important, la poussée aussi devient très importante. Aujourd'hui, nous avons eu la visite du laboratoire mobile qui travaille en partenariat avec l'ambassade des États-Unis d'Amérique. Vraiment, leur arrivée vraiment a été un plus pour non seulement les élèves, les professeurs. Nous avons pu assister à des montages, à l'électrolyse de l'eau. Tout cela, ça a été passionnant pour les élèves qui ont vraiment pris goût. Et nous saluons vraiment cette initiative. Nous remercions sincèrement les initiateurs, surtout le corps des professeurs scientifiques, l'ambassade des États-Unis d'Amérique, pour cette initiative. Si vraiment elle pourrait perdurer, ça ferait plaisir parce que les élèves ont vraiment pris goût à tout ce qui a été fait aujourd'hui. Et je suis sûr que ça peut créer, n'est-ce pas, des émulations et les élèves peuvent se manifester. On pourra découvrir peut-être des talents à partir de ce qui a été fait. Mais ça a été trop bref. On souhaiterait que de telles occasions se répètent. Et vraiment, si de bonnes volontés peuvent se manifester pour faire pérenniser cette action, ça nous ferait plaisir. Sinon... Moi, je m'appelle Ryan, bien Kokuvi. Je suis enseignant d'anglais au CEG Agbatitwe. Je suis aussi volontaire de Corps de la Paix. Aujourd'hui, on a eu une visite de MoLab et c'était vraiment une joie. J'ai remarqué que les élèves ont beaucoup aimé ça. Ils étaient exposés à les différentes technologies et les différentes opportunités pour les créer dans les séances. Il y avait des drones, une imprimante 3D, des expériences dans les matières, le matière de sciences physiques et des sciences chimiques. Alors c'était vraiment une joie. Merci à l'ambassade des États-Unis et merci aussi de le personnel de le MoLab et aussi de mes collègues au CEG Agbatitwe de nous permettre de faire ça. Bonjour, c'est Aoumé Kofi Tien Eliou. Je suis moniteur de jeu dans l'équipe de MoLab, projet visant à mener la science, la culture, la technologie, l'art dans les établissements. L'essentiel, c'est de faire aimer la science aux élèves, qu'ils touchent du doigt ce qu'on appelle science, les formules mathématiques, physiques, les procédés scientifiques qui n'ont pas eu la chance de toucher et surtout que nos grands frères, nous-mêmes, n'avons pas eu la chance de toucher. Donc c'est un bon projet. J'invite beaucoup plus les autorités, les personnes qui peuvent aider ce projet à aller de l'avant, à contribuer à ce que ce projet ne s'arrête pas, pour qu'on touche encore plus les requins. Comme on l'a déjà fait, on était allé à Dapan, on était allé à Soumdinaro, on était allé à Libye. Je m'appelle Israël Dameda, je suis enseignant dans l'équipe MoLab. Bon, MoLab, c'est une équipe qui promouvoit la science, la culture dans les écoles et dans les milieux réguliers. J'ai eu cette semaine à rencontrer des élèves. Donc, comme vous savez, la musique aussi est une science. Donc, nous enseignons aux élèves ce qui est la musique et l'importance de la musique à travers la langue anglaise. Cette semaine, j'ai eu à rencontrer des élèves et au nord du Togo, d'Apaon, où les élèves étaient tellement intéressés par la musique. Donc, nous invitons toutes nos autorités à promouvoir l'équipe MoLab. Moi, c'est Narcissio Aguiar, je suis chanteur. Donc, je fais partie de l'équipe MoLab. Donc, ensemble, du 11 au 16, nous avons sillonné plusieurs régions du Togo. Et nous sommes allés dans les fins fonds du pays.
pour apporter la science et la technologie aux enfants. Moi spécialement, je fais la musique. Donc nous avons appris aux élèves la musique, les notes, parce que vous pouvez imaginer qu'il y a des coins où les gens n'ont même pas encore connu de Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Donc c'est quelque chose qui a vraiment été merveilleux. Et les enfants aussi ont manifesté une enthousiasme donnée. Donc, et j'aimerais de ce part remercier l'ambassade des États-Unis pour cette belle initiative, parce que c'est vraiment important de pouvoir apprendre aux jeunes la science, la technologie et l'art. Et aussi, j'ai été vraiment très honoré avec mon collègue Israël de rester avec l'ambassadeur, son excellence David Guilmou, au campus de Cara, et c'est une très belle initiative. De ce pas, j'invite toutes les autorités et toutes les bonnes volontés qui sont désireux de pouvoir soutenir cette initiative-là, de pouvoir approcher l'équipe Moulab, parce que ensemble nous pouvons bâtir un avenir meilleur. Et pour le faire, nous avons besoin de la science, la technologie et l'art. Et c'est la jeunesse qui est à la base. Merci. Mon nom, c'est Nadia Goulal. Je suis le fondateur de Energio, inventeur et porteur du projet du groupe électrogène qui utilise le gaz et de l'eau. De côté, je suis étudiant en électromécanique, passionné de technologie et des œuvres d'art. Je assiste à Moulab du côté de l'éducation, surtout ceux de la classe de 3e, en ce qui concerne l'électrolyse de l'eau. Donc, je viens à tous les établissements qu'on a parcourus, j'ai assisté à des formations et je les ai aidés à faire le résumé de leur cours de l'électro. Chimie de l'eau, pour pouvoir comprendre ce que c'est que l'électrolyse de l'eau et en quoi ce cours peut servir. Donc j'ai donné l'exemple de mon groupe électrogène qui utilise le gaz et de l'eau. L'eau là, c'est basé sur l'électrolyse de l'eau. Donc on a eu des formations théoriques et des formations pratiques qui vont permettre les élèves de vivre réellement l'expérience sur l'électrolyse de l'eau. Donc, je profite à ce moment de remercier les sponsors comme l'ambassade des États-Unis d'avoir initié ce programme, d'avoir fait ce projet de Moulab pour pouvoir parcourir dans toutes les écoles du Togo pour pouvoir faire des cours pratiques. Et je profite aussi à ce moment de rappeler tous ceux qui ont la volonté d'aider les écoles à pouvoir sur des expériences pratiques de venir rejoindre le Moulab pour qu'on puisse pouvoir toucher toutes les écoles au Togo. Je fais partie de l'équipe de Ecotech Lab et j'interviens sur le projet de Moulab en tant qu'animateur. Et je suis chargé en fait de l'atelier Scratch, qui est un logiciel qui permet d'apprendre les bases de la programmation aux enfants. Car nous savons qu'aujourd'hui nous sommes dans un monde où c'est toute une révolution numérique et nous avons des applications et il faut que les enfants d'ores et déjà comprennent un peu comment est-ce qu'il faut faire pour pouvoir avoir les bases de cette programmation. Donc nous avons fait une tournée sur une semaine où nous avons sillonné toutes les régions et nous avons vu des enfants qui étaient émerveillés de voir, qui n'avaient jamais touché les ordinateurs, qui étaient émerveillés de voir un peu ce que c'est un ordinateur, de voir en fait qu'il existait un programme pareil. Et je profite en cela pour remercier quand même l'ambassade des États-Unis pour cette grande initiative que je salue vraiment, que je loue vraiment. Et je demanderai en fait aux autorités et aux personnes de bonne volonté de venir sincèrement soutenir ce projet pour que ce projet aille loin et qu'on aille encore dans des zones plus reculées que ça. Je suis le fondateur de Ecotech Lab et animateur d'activités technologiques, robotiques et informatiques dans le Moulab. Nous venons de finir comme ça avec le Moulab, une tournée qui nous a amené depuis le mai dans le nord du pays. On a parcouru les régions telles que Sokoto, Kara, et pour amener la science, la technologie dans les écoles et inciter nos jeunes frères à s'intéresser aux études, non seulement aux matières scientifiques, mais aussi aux matières littéraires qui leur permettent de pouvoir accéder au monde, d'avoir l'ouverture sur le monde et de pouvoir acquérir plus de connaissances et éventuellement les partager. Et ce projet a été initié par l'ambassade des États-Unis, qui m'a aussi
offert l'opportunité de proposer le design et de le réaliser. Je les remercie tout d'abord pour cette opportunité. Je les remercie en second lieu pour cette opportunité qui m'est donnée à moi en tant que jeune Togolais de pouvoir partager avec mes jeunes frères ma passion et de pouvoir les intéresser et les initier aux technologies, aux sciences et à l'informatique. Sans l'ambassade des États-Unis, ce projet n'aurait pas vu le jour. Mais pour que ça puisse continuer, nous aurons besoin des appuis de tout un chacun, des soutiens de tout un chacun pour pouvoir continuer cette tournée qui donne aux enfants de l'espoir, des bonnes raisons et des motivations pour pouvoir continuer les études et apporter du changement dans leur communauté au Togo, en Afrique, voire le monde. Donc je suis Dodi Aglago, je représente le laboratoire Mobile Labo, spécialisé dans la conception des matériels d'expérimentation et animateur scientifique au sein du projet MOLAB. Pourquoi une telle tournée dans les écoles défavorisées? Comme le nom le dit, ces écoles n'ont pas de matériel, ces écoles n'ont pas de laboratoire aussi. Pourtant, on exécute les mêmes programmes qui sont exécutés dans ces écoles entre guillemets natives, où les élèves vont toujours au laboratoire pour faire les cours de sciences, où les élèves ont toujours accès au matériel adéquat pour bénéficier de l'enseignement des sciences. Voilà pourquoi nous nous sommes déplacés auprès de ces élèves pour les aider en tant qu'eux pour pouvoir réaliser quelques expériences, que ce soit en physique, en chimie, en SVT. Mieux, au sein du projet MOLAB, il y a d'autres équipes qui interviennent dans le domaine de la technologie, dans le domaine de l'informatique, dans le domaine des applications de ces différentes formules que ces enfants reçoivent dans les matières scientifiques. Pendant toute cette semaine, j'ai eu cette opportunité de partager avec ces enfants les trois premiers chapitres qu'ils ont déjà vus en sciences physiques. Notamment, si on prend les niveaux des classes de 3e, ils ont bénéficié des démonstrations sur le poids, la notion des forces, les poussées d'Archimède, et puis aussi les poulies, c'est-à-dire les machines simples. Si nous allons en 4e, il vient de terminer le chapitre sur les sources et les récepteurs. Donc, quels sont les différents récepteurs artificiels qui existent? Donc, les circuits avec les photorésistances, avec les applications, notamment des circuits anti-vol, des circuits réveil matin, etc. Si nous allons en 5e, nous avons appris avec ces enfants pourquoi, quelles sont les différentes propriétés des gaz et aussi comment réaliser quelques circuits simples afin que ces enfants soient aptes à arriver à la maison de bricoler en réalisant eux-mêmes des lampes torches qu'ils peuvent utiliser à la maison au cas où il y a des coupures de bois. Avec les élèves de classe de 6e, on a effectué des mesures de volume. Donc ces enfants de 6e sont outillés, dotés de cette compétence où lorsque leur maman peut-être veut donner des médicaments à leur petit frère et que la maman est occupée, ou bien maman ne sait pas comment mesurer un volume donné pour donner comme médicament à son bébé, le petit de 6e peut intervenir pour aider sa maman à bien mesurer. Donc voilà les différentes expériences que nous avons réalisées avec ces enfants au cours de toutes ces semaines que nous avons menées dans ces écoles à l'intérieur du projet, payé avec le projet. Je crois que c'est l'opportunité de dire un sincère merci à l'ambassade des États-Unis qui a compris ou qui est la nécessité de monter ce genre de projet parce que c'est une ambassade qui travaille beaucoup et qui est toujours très proche de la population et qui voit que vraiment ces populations ont besoin de ceci. Et ce serait l'opportunité aussi de dire un sincère merci aux autres membres de l'équipe du MOLAB parce que la science elle est diverse et une seule personne ne peut pas le faire. Et sincère merci à toute l'équipe. Merci également à toutes ces écoles qui se sont ouvertes aux volontaires des corps de la paix pour qu'elles interviennent dans leurs écoles pour animer les différentes activités. Grâce à qui, nous aussi, on a pu venir dans ces écoles pour animer les différentes activités scientifiques. À nos autorités, nécessaire merci également. Parce que sans eux, on ne peut pas être ici. C'est eux qui ont donné leur accord pour
que ces corps de la paix travaillent dans ces établissements. Merci, Monsieur le ministre, pour vos efforts. Alors, ce serait l'opportunité de lancer cet appel à toutes les personnes de votre volonté. Parce que les sciences, ce n'est pas une fois à passant. Ce qu'on est en train de faire, ça doit être perpétuel. Et pour ça, on a besoin de moyens. Du moins, peut-être pour avoir des kits. Lorsqu'on vient comme ça dans l'école, on fait une activité avant de partir. On laisse un kit que les enseignants peuvent utiliser pour continuer le travail. Après dans l'école. Toutes les personnes qui vont y interviennent pour soutenir ce projet, pour que nous puissions porter le Einstein de demain, qui doit être sûrement un tournant grâce à ce projet. Patrick Kofi, je suis le conducteur de mon lab. Après 16, nous avons fait une tournée. À Dapan, on a visité les écoles, on avait peu reculé. C'est une très bonne initiative de la part de l'ambassade des États-Unis. Et je voulais remercier infiniment. Je dis merci également aux autorités, aux bailleurs de fonds qui ont mis la main à la pâte pour la réalisation de ce projet. C'est un projet magnifique. Les élèves, les chefs d'établissement vraiment ont apprécié et j'invite aussi les bonnes volontés de pouvoir aider ce projet et demain nous puissions atteindre toutes les couches sociales, tous les établissements pour que la science puisse. Une chanson très importante, une chanson qui parle de l'amitié, parce que dans la vie on ne peut jamais tout faire seul, on a toujours besoin de quelqu'un. Par exemple, tu es ici, tu as mis la main sur tes deux frères, non? Donc le titre de ces chansons, c'est Lean on Me, ça veut dire compter sur quelqu'un. Chaque fois on a besoin d'un ami sur qui compter. On veut aller à l'école, si on n'a pas le temps de venir, bien on est malade, il y a un ami qui va recopier les leçons pour nous, non? Et c'est qui va recopier, non? Alors on a tous besoin de quelle? On a tous besoin d'un A. Voilà.